Et bonjour tout le monde, c'est le fantôme d'Émilie et Benjamin. Et aussi pour ceux qui ont regardé les vendanges la saison dernière, il y a aussi le fantôme de la Kikette tordue. Voilà. Bon allez, on arrête la plaisanterie, je retrouve la lumière. Bon allez, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, jeudi dernier, on n'a pas eu le temps de faire de vidéo. Déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne vendangeait pas la semaine dernière. Voilà, il y a eu un petit peu d'attente entre le Sauvignon et le Chardonnay que nous sommes en train de vendanger maintenant. Et aussi, la deuxième raison, c'est qu'en fait, on avait un gros événement qui nous tenait extrêmement à cœur avec Benjamin, d'ordre privé. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est aussi un peu pour ça que je n'ai plus de voix aujourd'hui. On a un petit peu fait la fête, voilà. Mais sinon, tout va bien. Voilà, donc on est désolé pour jeudi dernier. Mais voilà, c'était un manque de temps. C'est pas un manque d'envie de vous faire des vidéos, ça c'est sûr, mais voilà. Donc, pour résumer, la semaine dernière, on a fait le Sauvignon, donc on est plutôt content. Voilà, donc on a été à peu près sur une moyenne dans les alentours des 8 tonnes hectares. Donc c'est plutôt satisfaisant, sachant que quasiment la totalité de la parcelle avait été gelée à 100%. Donc voilà, donc on va dire que par rapport à l'année, on est plutôt content. Après, si on regarde par rapport aux autres années, on est dans les alentours entre 45 et 50% de pertes quand même. Mais je veux dire qu'il est hors de question de se plaindre parce qu'il y a certains secteurs où c'est 100 fois pire. Donc voilà, on est content par rapport à l'année. Donc on espère que pour les autres, ben, c'est à peu près pareil. On croise les doigts pour vous. Voilà, donc là aujourd'hui, on commence aussi très très tôt. C'est pour ça qu'il fait nuit. Et on fait le chardonnay. Donc voilà, donc la parcelle est beaucoup plus petite et il fait nuit, comme vous le doutez. Alors je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer. Alors on va se retrouver de nouveau dans le noir. Hein, c'est un fantôme qui vous parle. Je vais essayer de ne pas tomber surtout. Il manquerait plus que je me fasse une cheville. Hop là. Et vous avez Benjamin qui est derrière. Alors vous voyez les phares qui est en train de faire la parcelle de chardonnay. Voilà. Alors là, il galère un petit peu parce que là, il fait la pointe. Et c'est jamais très drôle de faire des pointes. Voilà, donc vous ne me verrez toujours pas puisque il fait nuit. Mais sinon, tout va bien. Donc cette petite vidéo, je l'envoie tout de suite et je vous en ferai une autre quand il fera jour pour que vous puissiez voir davantage. Voilà. Et évidemment, je vous ai préparé ma petite blagounette. Je vous la ferai tout à l'heure quand il fera jour. Allez, à tout à l'heure.